Fred? Ouais? Je sais pas quoi mettre pour mes 50 000 abonnés. Pense que je devrais mettre un gilet plus cute? Ok, mais je pense que la caméra est mal placée, mal positionnée. Non, c'est juste qu'elle est plus sur moi, mais en même temps, c'est mon 50 000 abonnés. Ouais. Salut tout le monde! Comment ça va? Ça va bien. Hey, on est rendu 50 000 abonnés sur ma chaîne! Fait que j'en ai invité d'honneur pour fêter ça. Cédric Lemieux! Salut, Céd. C'est fucking bon. Céd, t'es-tu abonné à moi sur YouTube? J'ai pas YouTube. Chouk. Ça sert à rien, YouTube. T'es mon amoureux. Ça sert à rien, YouTube. Hey, 50 000 personnes, c'est du monde en tabarnak. Ça fait vraiment du monde. C'est rendu tellement... Ben, c'est pas tannant, là, mais c'est rendu que... C'est tannant. Arrêtez de nous abonner à moi. C'est trop ça, tannant. T'es qu'un reste, lâche-moi tranquille. T'as moi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est rendu que je me promène dans les rues et si le monde me reconnaît, parce que je suis le chum à casse. C'est genre rendu insultant. C'est même plus genre, « Hey, mon God, salut Cédric. » Non, c'est rendu, « Oh my God, c'est le chum à casse. » Pis... Ah, oh, fait que ça veut dire que si un jour tu me laisses, tu vas être l'ex à casse. Non, mais je suis bien fier de toi pour bien faire. Je suis bien fier. Je suis bien fier de toi de tes 50 000. Imagine si on invitait tous mes abonnés à notre mariage. Imagine qu'on invitait tous tes abonnés dans ton garde-robe. Imagine comment ça ferait le monde à la mer, Christian. C'est que ça serait nice. Il fait juste détourner. Il est comme mariage, non, non, non. Ah ouais, pas mariage ici. Ok, fait que là, je me suis dit, quoi de mieux pour fêter mon 50 000 abonnés que de inviter mon copain sur ma chaîne? Je me suis dit, pourquoi ne pas vous dire 50 faits sur nous? Attends, il y a une petite twist. La petite twist, c'est que moi, je vais vous dire 25 faits sur Céd, puis Céd va vous dire 25 faits sur moi, puis on les sait pas. Est-ce vrai? Ouais. On fait numéro 1 sur Cassandra. Cass, c'est quelqu'un qui se mouche beaucoup, mais... C'est ton premier fait! Ouais, mais elle se mouche d'un niveau supérieur à la moyenne des gens. Tu laisses traîner tes mouchoirs partout. Ah non, pas juste en dessous de l'oreiller, là. Il y en a en dessous du lit, en dessous des oreillers. C'est comme la MCL et Gretel, mais des mouchoirs. Partout dans la chambre, là. Genre, elle laisse des petites surprises, là. Fait que premier fait, elle se mouche, elle laisse traîner ses mouchoirs. Premier fait sur Céd, Céd, il s'endort tout le temps sur les crises de film. Genre, dès qu'on se start un film, c'est pas normal. Tout le monde moi, je m'endors pas. Non, moi, je m'endors pas, Céd. Je m'endors tellement pas que je vais l'écouter jusqu'à la fin, mais même ça, si le film m'intéresse pas. Ça nous prend 1 heure à choisir un film, puis après ça, 2 secondes après, Céd. Ouais, mais j'aime ça. Fait numéro 2 sur Cassandra, Cass est quelqu'un qui a des addictions mensuelles. Ça, ça veut dire que c'est, exemple, un mois, elle va commencer à... Pendant un mois, exemple, elle va manger des ramen, mais à chaque jour. À chaque jour, mais c'est plus elle va pour manger des ramen. Pour la nourriture. Ou un moment donné, ça a été, exemple, les galettes à melasse. Là, pendant genre un mois, elle mangeait juste des galettes à melasse. Mais ça, elle mange pas mal dans la vie. Une de galettes à melasse. Elle déjeune pas, elle mange un galette à melasse. Un galette à melasse. Un galette à melasse. là, c'est comme l'estancine, elle fait juste boire du Gatorade à chaque jour. À chaque jour, je trouve une bouteille de Gatorade vide quelque part. En quelque part dans la table. Souvent en dessous du lit. C'est ça. Avec mes mouchoirs. Fait numéro 2 sur 7, Céd a une cicatrice sur sa jambe parce qu'il s'est fait mordre par un cougar. Puis c'est vrai. Ben ouais, j'ai une cicatrice. Céd, il s'est fait mordre par un cougar. Et je ne dis pas une femme cougar, un vrai de vrai animal cougar. Un vrai mort en Bolivie. Je m'occupais d'un cougar là-bas pendant 2 mois. Puis il m'a amené, il m'a fait. Je mets des photos de son cougar ici. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué. Cass, ce n'est pas une lifteuse. Non, c'est vrai. Cass, exemple, on est avec un ami et il est littéralement sur notre chemin. Là. Cass ne voudra pas lifter, Evan. Mais en même temps, à ma défense, je suis pas une quêteuse de lift non plus. C'est de fait la brigade du bonheur Coca-Cola quand il était plus jeune. On est la brigade du bonheur Coca-Cola. On est la brigade du bonheur Coca-Cola. On est la brigade du bonheur Coca-Cola. On est la brigade du bonheur. Pourquoi c'est ça drôle? C'est même pas... C'est pas drôle. C'est fucking drôle. C'est drôle que t'aies fait la brigade du bonheur. Ouais, ben honnêtement, ça m'a tellement... C'est drôle de faire. Ça m'a permis de faire plein de beaux contrats par la suite. Tellement. Ça t'a permis de déménager à Montréal aussi? Ouais, ils m'ont payé mon déménagement. Ils ont mon premier mois d'appart, je pense, mon cellulaire, mon char. C'était cool. C'était très cool. Cass, je peux compter sur ma main le nombre de fois qu'elle m'a fait un massage en 5 ans. Et parce qu'à ma défense, il y a un gros crise de dos. Puis moi, j'ai des petites mains. Fait que je trouve que c'est vraiment plus facile pour lui de me masser. Dites-moi que vous êtes triste pour moi, là. Vous êtes triste pour moi. Tout le monde est triste pour moi. Fait numéro 4 sur 7. Ça fait, je pense, 2 ans que ça n'a pas coupé ses cheveux. C'est ça, ce petit cheveu. Ouais, il est rendu les cheveux, genre, qui arrivent.
Check ça, j'ai quand même des belles boules là-dedans, tu trouves-tu? Ah, c'est à cause de la lumière, Cass. Tout le temps, t'es triste de manquer de cheveux ici, puis même à un moment. Je voulais dire dans les faits que tu faisais de la calvitie, mais je me suis dit que c'est méchant. Mais c'est pas une calvitie, j'ai tout le temps. C'est pas une calvitie. Hey, c'est tellement une calvitie. Non, parce que. Non, j'ai tout le temps tellement. Écrivez dans les commentaires. Non. Est-ce que Seth fait de la calvitie? Non! Ben, pas mes cheveux, j'ai juste comme pas beaucoup de cheveux. Fait que c'est pour ça que j'aime ça avoir maintenant beaucoup de cheveux sur la top. Ok. Ça ne fait pas de calvitie maintenant, on le sait. Cassandra vomit deux fois semaine. Fed, il s'endort tout le temps partout quand il est trop saoul, mais genre partout. Ouais, mais toi, t'es fesse, tu sais, c'est juste que je m'endors partout, genre. Non, c'est la première fois que je s'endort sur les films et Seth s'endort partout. Seth s'endort sur le plancher. Il s'endort, c'est clair. Non, mais attends, c'est parce que Seth, il s'endort pour vrai partout, là, c'est un running gag, là. Genre, on arrive à la part, qu'à la place de faire trois pas pour aller se coucher dans le lit, il va juste se foirer à terre, puis il s'endort, puis pour vrai, il dort bien, là. Ouais. Puis au début, je le réveillais. Mais maintenant, c'est genre, bonne nuit, bitch, puis je m'en vais me coucher, puis je suis quasiment contente parce que j'ai lu à moi tout seul, je l'avoue. C'est sûr, le pire, c'est vrai. Genre, c'est sûr, c'est vrai. Seth, tu viens-tu dormir avec moi ou tu dors là? Tu dors-tu sur le plancher, Seth? Ok. Bonne nuit. Bye. Bye. Cash change de meilleur ami aux 2 ans. Fait que maintenant, elle garde un meilleur ami pendant 2 ans. Pis là, je te le dis parce que Caro, là, ça va faire. Il te reste comme 1 an, là. Dis pas ça. 7 mois. C'est pas vrai. Vraiment intense dans mes amitiés. C'est juste pour ça. C'est ça. Mais clair. Le monde s'étonne de moi. Non. Next! Je suis gênée, Colis, c'est pas vrai, ça. Quand on va au restaurant, moi pis Seth, on a tout le temps des belles conversations, c'est full le fun, jusqu'au moment où Seth reçoit sa nourriture, il n'y a plus de Cédric dans la place. Il fait juste manger. Pendant 3 minutes, après ça, c'est terminé. Là, peu importe la grosseur de l'assiette, puis après ça, Seth est de retour. Mais dès qu'il y a de la nourriture, Seth n'existe plus. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. Fucking vrai, merde. Ouais, c'est vrai. Fucking chiant. Fait qu'on est mieux de prendre un repas parce que si on prend comme plein de petits repas, j'ai juste pas de moment avec Seth. Ouais, t'as raison par contre là-dessus. Mais c'est normal, hein. Je fais du sport. Fait pas! Ah, mais gars, moi, je t'ai trouvé une qualité. Ah, Cass oui. A beaucoup de talent pour peinturer et pour dessiner. Non, c'est ouais. Vrai. En mais art ouais, plastique, Cassandra a beaucoup de talent. Fait de des tabarnak. Ouch, ça s'arrache un cheveu. Fait des tabarnak de buzz, de bulles au cerveau. Fait que genre, il s'achète des affaires. Mais genre, à un moment donné, il y a eu un trip de livres. Il s'est acheté comme 60 livres. Il n'a pas lu un tabarnak. Là, il y a eu un buzz de tatou. Il s'est fait tatouer 47 tatous. Fait de des buzz, il y a des bulles. Genre. C'est que je suis excessif, là. Dans un truc, pendant ouais. un laps de temps. Mais ça, ça a été toute ma jeunesse. Et mes livres sont beaux, là. Mais ils sont beaux, mais t'es lis pas. J'ai plein de livres, je devrais commencer à les lire dans pas long. Ouais, dans pas long. Ça fait des années qu'ils ont acheté. On y croit. Cass, n'a jamais su dans les 5 dernières années quelle était la journée des poubelles et du recyclage. Mais ça vous prouve à quel point qu'elle s'est forcée pour les sortir, les poubelles. Quand Seth arrive d'une soirée, de n'importe quel moment qu'on n'était pas ensemble, son premier réflexe c'est toujours de regarder dans le frigidaire. Puis, s'il y a de la nourriture, si j'ai acheté de la nourriture pour moi, Seth pense toujours que c'est une surprise pour lui. Fait que le lendemain matin, je me réveille qu'il n'y a plus une tabarnak de nourriture que j'ai acheté. Puis Seth est comme, mais c'est une surprise? Cass, la veut faire des surprise parties. Seth, le matin, il mange 44 œufs. Non, Seth, le matin, il mange sérieux 7 œufs. Ouais, je mange entre 6 et 8 œufs. Ben, c'est trop! Cass ne sait pas danser, mais elle sait très bien sautiller. Elle fait juste sauter quand elle danse, là. Puis plus qu'elle saute, plus qu'elle saute, là. Ça, c'est son mouvement de danse. Elle saute, mais elle ne sait pas danser. Ok, mais c'est drôle parce que regarde, moi aussi, j'ai marqué, Seth, il danse bien pour vrai. J'ai écrit ça. Oui. Seth, il danse vraiment bien. Ouais. Genre, il y a le... Tu vois que ça le rythme dans le sang. Cass, un de ses surnoms, c'est Cass malade. Parce que Cass est toujours malade. Non, moi, c'est Madame malade. Madame malade. C'est vrai, c'est Madame malade. C'est même plus ton frère. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et Madame malade, chaque jour, il y a quelque chose. Chaque jour, elle a mal aux pieds, elle a mal à la tête. À chaque fois, je suis comme, j'ai mal à la tête. Elle a mal aux yeux. J'ai mal à la cible. C'est déjà Madame malade. Autre fait sur Seth, Seth ne veut pas se marier. C'est même pas vrai! Je voulais juste voir ta réaction! C'est même pas vrai! Tu veux-tu te marier ou tu veux pas te marier? Ah ouais, je veux me marier. Un moment donné, on va se marier, esti, là. Oui! On... Non, je te demande pas de mariage, esti, là.
Si Cass ne m'avait pas rencontré, elle n'habiterait pas à Montréal et elle serait aujourd'hui éducatrice spécialisée. En fait, si Cass ne m'avait pas rencontré, t'aurais fini tes études. Ouais, c'est ça. J'aurais une technique en éducation spécialisée. Ouais, c'est ça. C'est grâce à moi que t'as pas de scolarité. Yes! Merci la vie, Seigneur. Seth est un leader naturel. Merci. Follow the leader, 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 follow the leader. Cass n'est pas courageuse pour une nasty scène. Zéro, là. Hey, on va-tu faire un tour de bicyclette? Non, j'ai peur de bicyclette. Hey, on a battu sur un scooter? Non, j'ai peur de scooter. Seth, il vole toujours mon oreille. C'est un fait complètement plat. Non, c'est pas un fait plat. Que je fais dans mon oreille. Cassandra s'arrache les ongles d'orteil. Et c'est dégueulasse. Fait que c'est ça. Même tu quand même. Oui. Oui? Bah oui. Ted, il aime vraiment les animaux. Mais genre vraiment, vraiment. Pis c'est comme... ça, les faits. Mais Ted, Ted aime le sport. Il aime les animaux. Non, j'ai pas des faits de même. Mais Ted, il avait une collection de livres, de trucs de primates quand il était jeune. Il faisait vraiment une fixation. J'aime beaucoup. J'aime les primates. Je suis un passionné de primates. Mais c'est ça, Ted est passionné des primates. Ben, c'est ça, le fait. Non, mais c'est le point de mon fait. C'est... En fait, le fait, c'est que Ted est passionné des primates. Pas Ted est un passionné des primates. D'ailleurs, il y a un primate sur le bras. Montre ton primate. C'est Arambe, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Arambe, rest in peace. Il est mort. Tu savais pas? Non. Je connais toutes les primates. Là, si on va en voyage, puis il voit des singes, il dit genre, ça c'est un petit 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 poupou. Puis là, il dit toutes les. Qu'est-ce que ça? C'est un petit 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 poupou. Cass boit une tasse de café chaque matin. Et au final, à 100% du temps, depuis le début de notre relation, c'est moi qui va ramasser sa tasse. Ted ne veut jamais chanter dans les karaokés et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas chanter parce que je suis sûre que tu chantes fucking bien. Peut-être que je suis intimidée aussi par les gens qui chantent bien parce que, au fond de moi, j'aurais toujours rêvé d'être un chanteur. Au front de toi. Au front de moi. Au front de moi-même. J'aurais toujours rêvé d'être un chanteur. Moi, Cass court vraiment pas bien. Elle court de main, là. Est-ce que je dis qu'elle danse pas bien, mais elle court comme qu'elle danse. Elle saute, là. Mon prochain fait sur Seth n'est pas si excitant, mais c'est quand même un fait. Seth, il vient de Québec. Mais ça fait 6 ans qu'il habite à Montréal. Non, mais c'est intéressant parce que les deux, on vient de Québec. Mais les deux, on habite à Montréal. Cassandra, ça fait 4 ans qu'elle écoute le même CD dans son char, c'est-à-dire Patrick Poisson. Oh non, j'écoute Daniel Bélanger aussi. Oui, ben peut-être, mais en tout cas, moi, quand j'embarque avec toi, c'est tout le temps Patrick Poisson. Le prochain fait sur Seth, c'est qu'à un moment donné, je lui ai montré la vidéo que Rox demande sa blonde en mariage, puis Seth a pleuré. Seth, il pleure souvent. Seth, c'est un émotif. Mais c'est vrai que j'étais un pleureur. Oui, t'es un pleureur. Ouais. Mais un pleureur cute. Elle est là, mon Dieu! Non! Je te dis! En tout cas, je trouve ça qu'il y a plein de trucs que je trouve cute dans la vie. Fait que c'est ça. Cass, c'est une jalouse éternelle. Le monde, ils vont se désabonner de moi après avoir vu ça. Non, mais c'est cute, sa jalousie. En fait, c'est que je fais souvent des cauchemars. Je fais des cauchemars que Seth me trompe, que je me réveille, je suis comme, j'ai l'impression que Seth doit me prouver encore plus. Ouais, mais 2 à 3, même 4 fois semaine. Non, 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 une fois par semaine. Ah non, plus mais que c'est, ça. Mais c'est tellement vrai. Puis là, je me réveille, je suis en tabarnak. Hey, je suis comme, tout le temps, qu'est-ce que t'as fait? T'es pissed off, là, puis je suis comme, Chris, j'ai rien fait. Des prémonitions. Je me lève. Bon, ouais, tu rêves à ça. Yo, je suis un peu phénomène Raven, là. Phénomène Raven, c'est quoi ça? C'est la fille à des visions. Ted écrit vraiment mal. Puis Ted, il veut jamais m'écrire de carte de fête. Puis ça, ça me rend vraiment triste. Ça sert à moi, rien. Pour moi, c'est plus important la carte que le cadeau. Oh, mais ça sert à rien, toujours une carte. Ben, Ted, il vole tout le temps toutes mes affaires, genre tous mes produits. Est-ce que c'est bon? Ouais, vas-y. Salopard, man. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Ça fait 4 ans et demi qu'il vole mes hosties de shampoing, man. Fuck you! Comment fuck you? Un cri dans l'oreille. Fuck you, man! Je t'en ai dit, ça me coûte fucking cher, un shampoing et tout. Cassandra haït prêter ses affaires. Ouais, en plus, j'haïs prêter mes affaires. Non, mais c'est parce que pourquoi t'as haït prêter tes affaires avec moi? Mais c'est pas un prêtage, ça fait 4 ans que je paye ton shampoing. Ok, bon, là, tu veux que je te demande en mariage? Non.
Fuck you! Ok, Sed, tes repas préférés, c'est genre fucking basic. Sed, il aime la lasagne, le spaghetti, le pâté chinois. Moi, tout ça pour dire que faire plaisir à Sed, si tu veux l'inviter à souper, c'est vraiment pas compliqué. Un petit pâté chinois sur le Sed, c'est fait. Cass, après avoir fait popo, n'utilise qu'un seul bout de papier pour torcher les fesses. Quoi? Pourquoi? T'as remarqué que je me barrais pas le cul, toi? Non, mais... Ça prend tellement pas de temps, toi, là. Ouais, non, mais moi, c'est parce que je gosse pas sur mon sexe quand je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Ploup, 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 ploup. Ouais, mais toi, c'est comme. Clac, toi, tu vas aux toilettes. Clac. Ouais, mais toi, quand tu vas aux toilettes, c'est genre le contraire. T'amènes ton sexe. Ça, c'était le fait le plus pertinent sur moi, les amis. S'il y a un fait que vous devez retenir aujourd'hui, c'est bien celui-là, Chris. Sed, il magasine jamais. Fait que Sed, il y a juste pas de vêtements. C'est vrai. J'haïs magasiner. D'ailleurs, c'est moi qui ai acheté cette chemise en prix. Elle est belle, hein? Cassandra dort en moyenne 12 heures par nuit. C'est rare en esti le monde qui dort réellement 12 heures, mais Cass dort un bon 12 heures par nuit. Et puis, c'est faut que je me mette des alarmes. Parce que sinon, je pourrais vraiment juste dormir tout le temps. Ouais. C'est vraiment un grand fan de musique, mais genre vraiment. Ouais. Mais comme, il connaît tout. Genre, des fois, mettons, je fais mes vidéos, mes montages, puis je suis comme, oh, j'aurais besoin d'une toune, genre un peu suspense, dramatique, gentil. J'ai comme, tant, 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 tant. Il est genre, oh, ouais, c'est la toune, blablabla. Bla. Ouais. Cass ne sue jamais. C'est vrai? Hein? C'est vrai? Ah, pis avoue, t'es fière, hein, de pas suer, hein. C'est pas une sueuse, pis elle est fière en est, de pas suer. C'est ma fierté. Moi, je ne suis pas de. Cass, à court, pis y'en a pas de sueur. Y'en a pas de problème. Elle est sec, là. Des fois, je me lave avant d'aller au gym. C'est vrai, ça? Je trouve ça tellement innocent. À cela, mais je suis pas, ça change rien. Elle se lave littéralement juste avant d'aller au gym, pis elle s'en calisse parce qu'elle va courir une demi-heure. Parce que je me dis, au pire, mes cheveux vont moins sécher là-bas. Pis elle pue pas. Pue pas du bras, pue pas des ailes, pue pas des founes. Un autre fait sur Sed, que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de regarder Sed. Sed a vraiment une belle couleur de yeux particulière, mais de loin, on le voit pas vraiment, mais de proche. Regardez! Je vais montrer! Tu fucking louche! Encore là, même à la caméra, tes yeux ont pas l'air si beaux. Mais dans la vraie vie, il y a vraiment des beaux yeux. Dans mes yeux ont pas l'air si beaux. Oh, l'avant-dernier fait sur Sed, hein. Vous êtes calissement pas prêts. Sed, pendant des années, il a essayé de me convaincre d'avoir une hostie de coupe Longueuil. Hein, quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu voulais avoir une coupe Longueuil? Ah oui! Ok, c'est pas plus que moi! Non! Lui, il voulait avoir une coupe Longueuil pour lui! Ouais, je voulais avoir une coupe Longueuil en fait. En fait, je crois que. Il a essayé de me convaincre pendant des années. Ah, mais un jour, je risque d'avoir la coupe Longueuil. Hey, s'il te plaît, va tes noms maintenant. J'aimerais ça, genre, justement, tu sais, juste avoir comme le mullet en arrière. Hey, mais ça peut être beau, là! Non! Tu lèves le matin. Je parle à mes chats. Ça, tu vas le dire, littéralement, je devrais y compter, là. Sûrement que tu dis 30 fois, il y a un coup que t'es levé, t'invites Moumou à te suivre dans la cuisine, il va te suivre, puis là, tu vas continuer à parler à Moumou. Puis tu fais tes œufs, Moumou, Moumou. Là, tu t'en vas au dépanneur, tu reviens, Moumou. T'es où? Les seules, la seule fois, à ce point, à chaque fois que tu dis pas Moumou, c'est quand il dort, parce que tu veux pas le réveiller. Mon dernier fait sur Sed, c'est que Sed, il va avoir 29 ans dans moins d'une semaine. C'est un méchant fait. Je m'en viens vieux, j'approche de 30 ans, j'ai pas de carrière. C'est pour ça que t'as fait écrivez dans les commentaires. Bonne fête, Sed! We sing happy birthday to you. Merci. On a fini! On a fini! Fait que si vous avez mes 50 faits sur moi plus Sed, écrivez dans les commentaires. Bravo! Écrivez ce que vous avez à écrire, ok? Ouais! Puis abonnez-vous à ma chaîne parce qu'on est plus de 50 000 puis c'est complètement malade! C'est fou, pareil aussi. C'est fou! Sur ce, n'oubliez pas de venir me voir à Juste pour Ado. Je vous aime! Continuez de me ok, bye!